Et bien reçu tout le monde, c'est XVSK, aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une petite partie sur Watch Dogs, Watch Doggy Dog. Donc on s'est laissé après avoir joué au grand frère. Hein. Désolé, pas de musique. J'aime pas la musique. C'est le mal, la musique. Bon, où est-ce qu'on doit se rendre? Voilà, je peux pas prendre le métro pour aller plus vite. Oula, ça a l'air loin. Hein. Très très loin même. Rencontre aussi serrée que palpitante, le stade a été plongé dans le noir. Plus de la moitié des spectateurs sont restés dans l'obscurité plusieurs minutes. Waouh, plusieurs minutes, oh mon dieu. Tiens, juste pour le lol. Hop. Juste pour je m'amuse à pirater et tout péter. Alors, faire une petite visite de la ville comme ça, c'est bien. On découvre un peu. Bon, on a l'air d'être dans les bas quartiers hein, pour l'instant. Ah, marchand de glace. Ah, mais... Monsieur, je veux une glace. Ah, il y avait le train en plus. Voilà, j'ai même pas activé les trucs que les gens, ils se tapent déjà sur la gueule, c'est cool. Le loop, City OS non connecté, oh merde. Va peut-être falloir que je bosse un peu mon sujet en hors vidéo, là. Qu'est-ce que toi? Je sais pas parce que les bagnoles en face elles ont l'air vachement destructibles alors que la nôtre a l'air totalement invulnérable. Genre je vais rentrer dans le cul lui là. Bim! Allez casse-toi. Mais... Ouh ralenti, ex-ralenti. L'objectif est non loin. Et on est en ville ici, dis donc. Ça permet de voir un peu à quoi ressemble la ville. Toudou, ex, toudou. Fais comme si tu étais un honnête citoyen. Connard! J'ai rien fait. Je me suis juste garé. Et bien garé en plus, c'est ça le pire. Si le CityOS renforce la sécurité, je dois renforcer mon armement. Ok. Bonjour. Je peux faire quoi pour vous? Il me faudrait des armes. Mais je sais pas quoi prendre. Ce silencieux a l'air sympa. Équiper un silencieux, inflige des dégâts dévastateurs à comporter en toute discrétion. Mais je le veux! Je peux pas, je l'ai déjà. Bah moi je peux prendre un fusil de précision, c'est déjà pas mal. Fusil d'assaut, qu'est-ce qu'on a? Pistolet mitrailleur, pistolet mitrailleur. Oh, ça a l'air joli ça. Oh. Impressionné ami et ennemi grâce à ce modèle en or. Ouais, bah. Je sais pas, parce que j'ai l'impression d'avoir des armes, mais je sais pas comment les équiper quoi. Ah, je peux le menacer en plus, le gars il est marqué L2 menacé. Qu'est-ce que je pourrais prendre? On va prendre ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Peut-être que je vois c'est un peu le sujet là. Lance-grenade, ça va être gros quand même. Y'a pas un petit pompe? Petit truc sympa. Donc je suis déjà au max pour les munitions. Non, j'ai pas acheté de mitrailleuse aux dernières nouvelles. Enfin, je crois. À très bientôt. Ah, je te fusil d'assaut. Oh merde, putain. T'aurais pu le dire. Je peux vous aider? Oui, tu peux m'aider. Je voudrais cette arme. Ces dernières semaines, les centres CityOS de Chicago ont renforcé leur sécurité suite à une série d'attaques menées par le groupe DedSec. Interrogé à ce sujet, Charlotte, porte-parole de Bloom, s'est montré catégorique. La sécurité des citoyens est primordiale. Chaque centre de contrôle CityOS a donc été doté d'un service de sécurité. Ces gardiens de la paix hautement qualifiés ont servi dans les régions les plus dangereuses. En fait, Madame Gardner, ces gardiens de la paix sont d'anciens militaires devenus mercenaires. Non, 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 cache, 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 cache. En effet, ils ont servi dans l'armée, mais je ne pense pas que de bons. Oula, j'ai cru qu'on va tirer dessus. S'il vous plaît, madame, sortez. Ce qui nous permet d'offrir aux habitants de Chicago le contrôle. Oui, oui, bien sûr, ça vous offre. C'était Charlotte Gardner, porte-parole de Bloom sur la sécurité du CityOS. Cassez-vous. Je suis le roi de la route, moi. Même si j'ai pas mon permis, c'est pas grave. En plus, j'ai un silencieux, j'hésiterai pas à m'en servir, faites gaffe. Southbound
blablabla. Ah, il y a des bars et tout. Peut-être que j'y fasse un tour un jour. Ouf. C'était short. C'était short, mais on y est passé. Stop, stop, stop. Leur sécurité va être dure à passer. Mais j'ai pas le choix. Je veux savoir qui menace ma famille. À qui appartient la voix de l'appel téléphonique. Bah moi, je puisse faire... dans cette voiture là. Hein, je peux lui faire exploser son portable ? Lol. Je faisais comment ? J'ai rien compris. Je sais pas ce que j'ai fait là, honnêtement. Attendez, je peux faire exploser tout leur portable ou quoi là ? À voir ce qu'il y a là-bas, mon gros. Il est mort ? Non, il est en vie. Ah, d'accord, ceux qui ont un téléphone portable, je peux le faire péter, d'accord. Et quoi là-dessus ? Qu'est-ce qu'il y a ici ? Localiser le garde disposant du code d'accès. Y'a rien ici, je vais voir là-bas. Y'a rien ici, je vais voir là-bas. Y'a rien ici, je vais voir là-bas. Ouais. Ouh là là, ça a l'air compliqué là. Bon, déjà, faut qu'on trouve le moyen de pouvoir nous déplacer librement ici. Il faut que je trouve une caméra pour ça. Donc c'est quoi ça qui brille là? C'est des munes. Voilà, on est ici. Pas d'y avoir de garde. Bonjour. Prends un antidépresseur. Ok, pas de panique. Doit y avoir une séquence de désactivation. Réfléchis, bordel, réfléchis. Ah, c'est lui. Ah. C'est le code d'accès au serveur. Il est pour moi, change de coin. Ouais, mais qu'est-ce qu'il faut faire là? Je comprends plus rien. Faut voir, faut que c'est au serveur. Ouais. C'est là-bas. Je savais même pas que j'avais une fonction faire péter les téléphones. Une caméra là-bas. Putain. Faut que j'aille à pattes ou alors faut que j'aille. Je cherche un peu là histoire de me familiariser avec le truc, mais ça a pas l'air simple. Là. Il va y avoir un truc, vous voyez que c'est au serveur, non? Ça va sûrement être un truc tout con en plus, j'en suis sûr et certain. Pop, 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 pop. Jeune marié.
Caméra. Diversion. Va par là, ouais, ouais, va par là. Va par là, va par là. je kiffe. C'est pas bon ça. Fouillez la zone. Ah, je kiffe. Je suis en train de tuer tout le monde et ils s'en rendent même pas quoi. Bon allez, on va quand même jouer un peu hein. Il y a un gars qui a l'air bugué là. Attendez, faut que j'aille voir. Ça va mec? Allez, viens là. Allez, vas-y. Ah, je kiffe. Ah, je kiffe. Allez. D'accord, c'est comme ça qu'on... Y'a rien ici, je bouge. Y'a rien ici, j'avance. Ah, ils ont l'air loin. Hop. Alors... Comment je recharge déjà? C'est triangle? Non, c'est pas triangle. Donc c'était par ici. Hein? Ah d'accord. Voilà, ça a l'air compliqué ce machin. Oh putain, c'est quoi ça? Elle fait quoi? Nous y voilà. Je suis connecté. Quoi? T'es dans le CityOS? Déjà? Exactement, j'ai le réseau devant les yeux. Toi, tu as ton accès, et moi maintenant, j'ai le mien. Le système du Profiler est en ligne. Il suffit d'un clic pour accéder aux secrets de tout le monde. Il indique même toutes sortes de trucs dans la zone. Je crois que ça pourra m'être utile. Garde un œil sur le trafic en ligne. Il y a peut-être des fixeurs sur le réseau. Si je peux les voir, ils peuvent me voir aussi. Ok, il faut que je bouge. J'ai fait pas mal de bruit là. Laisse-moi le temps de tracer ton appel. Je te tiens au courant. Ça n'a pas marché pour attirer malheureusement. Je vais prendre ton arme.
Oui, arme débloquée. C'est quoi ça? Ah, des composants et tout en plus. Putain, c'est dingue comme j'ai tout fait péter. Y'a tout fait péter. Ah putain, j'ai encore du mal avec l'interface. Hein? D'accord. Assurez-moi, il meurt pas en tombant de ça. Hein. Non, ça va. Allez, salut! Bonjour. Dehors, casse-toi du vent. Et voilà! Easy! Accès au district débloqué. Ah, j'ai un ami. Non? Pas d'amis? Non, j'ai pas d'amis. Voilà, vidéo, comment. Oula, ça va pas ça. Non, non, voilà. Hey, j'ai besoin que tu me rendes un petit service. Je t'écoute. J'ai signé un deal très lucratif avec un client très exigeant qui a besoin d'un chauffeur. Non. Attends, je t'explique. Ce matin, j'ai trouvé Maurice en train de creuser un tunnel pour sortir de sa chambre d'amis. Du coup, faut que je change d'endroit. Bon, ce serait un peu à toi de t'en occuper, vu que Maurice, c'est ton problème. Mais c'est pas mon style. Je finis toujours ce que j'ai commencé, donc ce que je demande... Ok, ok, c'est bon. Je m'en occupe. Non, mais je voudrais pas t'embêter non plus. Je t'ai dit que c'était ok. Faut faire quoi, exactement? Une livraison. Escorter un type. C'est simple, non? Mais oublie pas que ma réputation est en jeu. Mon client paie le prix fort pour avoir le meilleur chauffeur de Chicago. C'est son jour de chance. Ouais. Enfin, avec moi comme chauffeur, là, je suis pas sûr, hein. Honnêtement, je suis pas sûr que je sois... Ah! Merci pour qu'on t'en manque. De rien. Non, t'inquiète, je me gêne. Crime détecté. Ah, bonjour madame. Je vois que vous avez un portable. Ah, j'ai une nouvelle musique. Trop cool. J'en ai absolument rien à foutre, je veux des sous, moi. Alors, on parle en dessous. Casse-toi. Il est tout près d'ici, je le sens. Excusez-moi. Casse-toi. C'est ma borne. Eh merde! J'avais pas vu que c'était lui, quel con! Bon, c'est pas grave. Ouais. On va aller faire le truc, la conduite accompagnée, là. Bon, allez, lançons la mission. C'est quoi ça? Ouais, j'avoue, c'est quoi ça? C'est quoi ça, un fixeur? J'ai dû faire trop de bruit dans le loop. Il m'a localisé. Eh ben, à moi de le trouver maintenant. Localisé. 2x tap, c'est qui ça? Lol, le mec, cours Forest, cours! Putain, il est loin, il me faut une bagnole. Chut, musique, chut! Il est où cet enculé? Mets les basses, baby! Mets les basses, baby! Putain, avec. Attendez, un Jay Citroën. Non, je connais pas les marques de voiture, désolé. J'ai dit que c'était une vieille Citroën, mais. Non, c'est une Citroën. Ouais, c'est le logo de Citroën, ça. Bordel, il en a après moi. Peut-être que si je trace son signal, je le retrouverai avant qu'il pirate mon téléphone. T'es allé où ce con? La cœur se cache parmi les passants. Sur un toit n'importe où! Putain, il peut être où alors? Ah! Il va m'avoir!
Eh mais merde! Mais ça a l'air dur, mine de rien, de trouver le hacker. Ok, j'ai isolé la zone de recherche. Allez, Aiden, retrouve-le vite. Cours, Aiden, cours! Hacker identifié. Te voilà. Maintenant, t'es à moi. Ah mais putain, il court vite, ce con! Eh! Combien il peut y en avoir encore? Non, s'il vous plaît! Non, désolé, j'ai pas une fat contre en ligne. Oh non! Ah! Attendez. On s'intéresse à moi, apparemment. Les fixeurs sont des mercenaires. Ils travaillent pour l'argent. On a mis un contrat sur ma tête. Comme d'hab, quoi. Comme tous les héros de jeux vidéo, j'ai envie de dire. Si je me souviens bien. Ils utilisent la grille pour communiquer. Accéder à l'app de contrat en ligne. L'app de contrat en ligne, la grille, hashtag, course, piratage, filature, exploration en ligne. Les contrats situés mobile. Sélectionner, et solliciter une cible. Puisqu'on y est, autant le faire tout de suite. Voyons quel type de contrat je peux remporter. Temps d'attente moyen, 1 minute. Ouais. Piratage en ligne. Quand vous cherchez un fixeur, gain et perte indiquent la notoriété. Défense de piratage. Ok. Faut déjà qu'il trouve quelqu'un, quoi. Ouais, bah 1 minute, c'est une longue minute, hein. Les forces anti-piratage très élevées. Non. Moi je veux des trucs simples. Je veux pas me taper un mec qui est. Eh attendez, si j'annule. Pas un seul contrat. Ah ben voilà. Je reviendrai plus tard. Ouais, c'est mieux. J'ai pas trop envie de me lancer dans le mode en ligne tout de suite. Bien. Je peux retourner à la mission de Jordi. C'est comme un contrat de chauffeur. Je vais devoir déposer quelqu'un. Un peu comme un taxi, mais en mieux. Le truc, c'est d'éviter les flics. Ouais. Insiste bien sur éviter les flics. C'est ce qu'il y a de plus dur dans ce jeu. Pourquoi je suis en grade 1 là? Crime détecté. Ah mais non, hein, là ça va pas commencer là. Putain, il y a des crimes partout là. Ah. Merci pour ta carte de crédit, mec. Tant pis pour le crime, on s'en branle. Allez hop, on va faire la mission. Allez, démarre la mission. Allô? Mais t'étais où, putain de merde? C'est le bordel ici. Tout est parti en couille. C'est bon, j'arrive. Putain, mène-toi, les flics vont me serrer, grouille. Est-ce que j'ai au moins une bagnole pour pouvoir le faire? Moi ça a l'air. Bon déjà. Ça. A déjoué une effraction nocturne dans une usine. L'un des suspects a été tué sur place tandis qu'un autre est en fuite. On craint des perturbations à Parker Square où la police a installé des barricades. Très silencieuse cette voiture. Très très silencieuse. On cherche le suspect.
Alors, les poursuites se déroulent en trois phases distinctes. Contrôle, éviter les cercles de scan CTOS. Poursuite, se met les policiers en sortant de la champ de vision en recherche. Centrale à toutes les unités, scan. Des merdes. On va falloir retrouver le fugitif sans se faire repérer. À toutes les unités, le central lance un scan CTOS pour trouver le suspect. Voilà. Elle va se grouiller. Oh putain, vite, 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 sort, 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 sort. Je croyais qu'elle m'aurait été plus furtif que ça. Putain, j'y vais comment là-bas? Voilà. J'espère que t'as une invitation ou t'es mort. Je suis le chauffeur. Putain, c'est pas trop tôt. T'as une caisse, celle-là est défoncée. Non. Mes règles, ta voiture. C'est comme ça. Bon, allez, d'accord, on y va. Surtout que les voitures, je les vole, mais on dira rien. Quitter la zone de recherche en restant inaperçu. Oula, ça va être dur, ça. Tout est parti en couille. Eddie est mort, je l'ai laissé là-bas. Putain, les flics sont sortis de nulle part. Ça craint. Suis bien le parcours et fais gaffe. Les flics patrouillent toujours. Tu vas nous tuer avec ton parcours. Détends-toi et boucle-la. On fait comme on a dit, putain. Je sais ce que bordel, c'est une voiture de police. Je suis pas aveugle. Merde. Elle a envie de s'éloigner. Oh merde. Est-ce qu'il y a moyen... Attendez. Est-ce qu'il y a moyen de réparer trop Joe d'empêcher... Joey Lang. Lecture automatique de la musique. Ah, ben voilà. Comme ça, moi, ça me fait plus chier. Non, ça n'est pas passé. On va passer par là. Putain, ça a l'air chaud! Faut aller où là exactement d'ailleurs? Parce que je me blade, mais je sais même pas où je dois aller. Ah d'accord, c'est par là. Y'a un flic. Bouge! Bouge ton gros cul, flic de merde. Moi je te pirate toi en attendant. Droit devant là, putain. Il est sorti de sa caisse carrément, ce con. Ah non! Oh, j'ai... oh si j'ai le temps. Oh merde! Comment ça les flics vous ont repéré? Il est arrivé d'où le mec? Oh, la filtration voiture, ça va être ignoble. Comment il a fait pour me repérer? Il est sorti derrière comme ça d'un coup, je l'ai même pas vu venir quoi. Eddie est mort, je l'ai laissé là-bas. Putain, les flics sont sortis de nulle part. Ça craint. Suis bien le parcours et fais gaffe. Les flics patrouillent toujours. Tu vas nous tuer avec ton parcours. Détends-toi. Bordel, c'est une voiture de police. Je suis pas aveugle.
Ah. Tain, c'est pas simple, hein. Faut trouver bon chemin. Livrez le fugitif sans vous faire repérer. Bon, déjà. Ah, dites-moi le chemin. Ouais, je sais, j'assure toujours. Chaque ZSK, de toute façon. J'assure pas, c'est qu'il y a un problème. Sauf si je joue à un jeu de foot, là, c'est clair que j'assurerai pas, de toute façon. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Louchement. Voilà. Allez, va ramener le monsieur chez lui. On y est, on a réussi. Il y a des gars qui vont nous rejoindre. C'est pas le moment de merder. Oui, bien sûr. Oh merde. C'est Lucky Queen. Pourquoi le boss du club nous rejoint ici? Il n'est pas là pour nous. Il est là pour toi. Quelqu'un était au courant. Je vous jure, je sais pas ce qui s'est passé. Il devait y avoir personne. C'est qu'une usine d'ordinateur, non? Mais l'alarme s'est mise à gueuler et les flics sont arrivés super vite. Je vous jure, c'est pas ma faute. Allons, allons, du calme, c'est fini, fiston. Au moins, je l'ai eu, non? C'est ça l'important. Effectivement, c'est ça l'important. Ainsi va le monde. Et il n'y a pas de place pour l'échec. Oh, ça j'ai compris, Monsieur Queen. Mais c'est pas moi qui ai merdé. Non, c'est pas moi. Du calme, du calme. Tout va bien. Ça va mieux maintenant. Vous avez pu parler à votre mère? Appelez vos amis? Votre fiancé? Non, monsieur. J'étais pressé. C'est bien. Très bien. À votre employeur que je la rappellerai. Si un jour j'ai besoin d'une autre livraison. Lucky Queen, une belle ordure. Le chef du Chicago South Club. Ces connards faisaient déjà leur magouille à Chicago avant ma naissance. J'aurais dû rendre service à la ville en lui mettant une balle dans le crâne. Mais c'est justement le genre de truc que j'essaye d'éviter. Il y a toujours des représailles. Et j'ai eu ma dose. Alors, comment ça s'est passé? Pas de soucis? Tu pensais vraiment que je bosserais pour ces enfoirés du club? Eh hey, mon grand, l'argent c'est l'argent. Faut savoir séparer boulot et principe. Détends-toi. Écoute, je peux te mettre en relation avec mon contact. Il te trouvera de meilleurs contrats de chauffeur. Ouais. Pas sûr que je les accepte. Mais donne-lui mon numéro. Le cash, c'est toujours bon à prendre. Ah, et puisque tu me demandes, Maurice adore son nouveau chez lui. C'est mon truc. Surtout pas un cachet de fric. Des petits sous. Progression du jeu. Ok. Eh bébé, tu vas? Laissez-moi tranquille. Je suis à 3%. Il y a 5 chapitres? Ah ouais, il y a 5 chapitres. Putain, il y a plein de trucs à faire en son côté, mine de rien. Comment tu t'y prends? Vous arrêtez de me suivre maintenant. Tu reviendras. Regarde, mec, t'as vu? Tu vois comme elle nous tourne autour? Regarde-la. Oui. Comme un requin. Non, désolé. Hypertension artérielle. Ouais, c'est bien, j'ai piraté deux personnes en
quelques instants. Ah, j'ai un ami. J'ai quelque chose pour toi. Faut qu'on se voit. Se voir ? Genre face à face ? Je cherche un mec avec un masque ou... Non. Contente-toi de suivre le signal. Je croyais que tu rencontrais personne. C'est vrai. Mais là, faut qu'on se voit. Alors... Il est où le... Le passage, où est-ce que je dois se faire une escorte machin là ? Une escorte criminelle. Je sais absolument pas ce que c'est, mais bon, c'est pas grave. C'est quoi ça, une escorte criminelle ? On tente ! Allez, on tente. Il n'y a qu'une ordure pour lancer une bombe incendiaire sur une maison avec des gosses. C'est des mecs comme ça qui méritent de disparaître. Et je serais ravi de m'en occuper. Ok. Ah, c'est une sacrée ligne droite à faire, ça. Il y a la cible avant qu'elle... Ah, il me faudrait une voiture pour ça, tu vois. Qu'est-ce que... Donc c'est quoi que je vais faire, c'est intercepter la cible. Pas difficile, on va aller sur... le truc ici. Allez, viens, mon gros. Bon, bref, elle poursuivit, je vais le tuer. Je vais lui faire sa ferte. Tu vas voir, ma grosse. Eh bien! Putain, j'arrive pas à lui faire faire un truc là, ça m'énerve. Bim, in your face! Bim, je te roule dessus! Putain, ça en fait beaucoup des voitures là. Oh merde, il s'est barré! Il se barre! Vite! Salut! Voilà. Bon, on se casse. Ah d'accord, c'est tout sa bagnole en fait, c'est con. Bon, on va essayer de se barrer, hein. Bien loin alors. C'est dommage que... Ah si, je crois que le truc ça affiche sur la carte en fait. C'est pas trop ça que je voulais faire, mais bon... Ah, quel con! Non, ça va. Bon. C'est pas grave, Ex, tu vas y arriver. Et salut! Fais le petit tour, je prends le LOLs. Bah dis donc, j'en fais des gars avec mon téléphone, moi. Oula, il se rapproche vite, dis donc. Ça fait des morts, moi. Merde, j'ai plus d'énergie sur mon téléphone. Fait chier. Alors, soit je les flingue, soit je les flingue pas. Bah, vous savez quoi, on va les flinguer. Bah, dis-moi, je vais laisser venir un peu là. Allez, mon gros. Oulala, d'accord. Donc, on a sorti les flingues. Quand même drôle là ça, j'aime bien ce système de poursuite là. Bim, in your face.
Bon. Oh merde! Putain, il touche de loin, c'est con! Vite, sors, Rex. Sors. Oh merde! Putain, il a l'air. Merde là-haut! Quel merdier! Putain, on se fait casser! Hihihihihi! Eh là là! Oh là 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 là! On va peut-être se calmer là! Vas-y, range! Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Escort criminel. Qu'est-ce qu'on a eu là? Focus critique. Restaure le focus lorsque votre niveau de santé est faible. Ah ok. Cool. Alors, s'il vous plaît, distributeur. Combien? Oui, 1300$. C'est qui ça? Ah non, ça veut juste dire que j'ai pas le droit, d'accord. Alors, déjà, t'as quoi comme arme sur toi, là? Parce que si j'ai des armes que j'ai pas, je veux bien les prendre. Eh, monsieur? Je peux pas lui mettre un coup sur la gueule, là, vite fait? D'accord, j'ai... C'est assez relou, là, hein? Merde, je suis bloqué. Ah, oh, je suis bloqué. Fais chier, je suis bloqué. C'est quoi ce truc-là qui brille? Oh, ouvre les yeux. Ouvre les yeux, ta gueule. C'est quoi ça? Check in notre spot, c'est quoi ça? Crowley Building, félicitations, votre... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, d'accord. Lol, carrément. ok. C'est carrément des monuments à aller visiter. C'est cool ça. Bon, mais en tout cas, faudra bosser un peu. Hein, parce que le coup du CityOS, là, à mon avis, faudra peut-être aller les. Les débloquer. Faut entrer dans leur base et tout faire péter. Vous savez, ça me connaît, moi. En plus, regardez, il y en a un juste là, il m'attend. Et l'objectif est à côté, il m'attend aussi. Bon, on s'en fout. On va s'arrêter ici pour ce nouvel épisode. Bon, ben voilà, on aura eu de la course-poursuite, c'est pas trop mal, hein. On aura un peu eu de tout aujourd'hui, hein. Ah, sur ce, je vais vous laisser ici. Prenez soin de vous. Bonsoir, Kenroll, n'oubliez pas d'avoir là. Oui, attitude. Comme d'habitude, je suis pas au cul. Vous connaissez la chanson que c'est sous le dicton. Je vous laisse. Je vais bien pouvoir tout et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye et bouti.